Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est avec plaisir que je vous accueille à l'émission À l'affût. Mon nom est Louis Giguère et voici Vincent Cloutier, notre conseil expert. Bonjour Louis. Bonjour Vincent. Toi, une espèce de gars de bois, mais que j'ai jamais vu en froc carotté. Ouais, je m'habille tout le temps chic. Tout le temps assez swell. Ah, ouais, ah, ouais. dans la forêt canadienne boréale. Alors aujourd'hui, Vincent, tu affrontes presque un ours ouais, à main nue. Pas à main nue, mais on est à la chasse à l'ours. On est à la chasse à l'ours, mm-hmm. Ça c'est en reportage. Et aussi, un peu plus tard, on vous fait une petite chronique sur, pas un assassinat, là, mais un étranglement de fusil. Qu'est-ce que l'étranglement mm-hmm. de fusil? Mmh. Ouais, faut pas venir le 9-1-1 pour ça, mais... Non, on va démystifier ça. On va assister à ça. Et on a le petit truc ouais. d'aujourd'hui, mon cher Vincent. Oui. Et on parle de cible. Oui, je vais prendre 2 secondes. Pencher. Une cible pour l'arc et l'arbalète. Mmh. C'est plus un petit conseil. Il y a beaucoup de sortes de cibles en poche ou en bloc pour tirer de l'arbalète. Ou de l'arc. Surtout de l'arbalète, parce que c'est beaucoup plus fort. On peut aller jusqu'à 400 pieds secondes. La cible, si on veut qu'elle dure longtemps, si on la laisse à terre et qu'on tire toujours en même place, ça finit par briser la cible assez vite. Le petit truc que je donne, tous les poches ou les blocs ont des systèmes d'attache. Des œillets ici. Des œillets. Pour une poche, pour un bloc, c'est une poignée style velcro. On se fait un rack pour accrocher notre cible. Si notre cible est accrochée, ça va être dur de le tenir comme ça, et qu'on tire, là, à balance. En balançant, on brise beaucoup moins notre cible. Il y a moins de résistance. Beaucoup moins de résistance. Donc, notre cible, que ce soit une poche ou un bloc, va durer beaucoup plus longtemps que si elle reste à terre puis que notre flèche fesse toujours à la même place parce que, vu qu'on est précis, on tire toujours dans les ronds noirs. Évidemment. Fait qu'on brise notre matériel à l'intérieur, on brise la poche, fait qu'on est obligé d'en racheter un autre ou notre flèche passe trop loin, brise nos plumes, voyez, pour faire replumer nos flèches. Mais est-ce que ça arrive que ça vient qu'à passer au travers? Oui, si le matériel est vraiment magané, mais pour que ça passe la flèche complètement au travers, il faut que ça soit vraiment très usé. Dans ce temps-là, si vous vous rendez aux plumes, soit vous changez les places que vous tirez ou vous changez la cible. Oui, carrément, c'est ça. Ouais. Parce que c'est quand même solide. Là. Ici, c'est comme du matériel de quand on achète des bâches. Là, ouais. C'est à peu près la même chose. Oui, tressé vraiment serré, mais en la mettant en suspension, elle va balancer à chaque fois qu'on va tirer. Donc, notre cible va durer beaucoup plus longtemps. OK. Et tu parlais des autres en cube. Ouais. Juste une petite curiosité, on en a déjà vu dans l'émission. C'est ouais. une espèce de... On appelle ça du foam, là, en ouais, français. Un genre de mousse. Mousse. Une mousse compacte qu'on peut tirer de l'arc dans le reportage ou qu'on l'expert qu'on avait fait. C'était on tirait de l'arc à l'intérieur, tout ça. Ça, pareil, on l'avait mis à terre pour les besoins de la cause, mais un rack, c'est encore merveilleux pour ces types de cibles-là. Et le bloc aussi se suspend? Oui, ouais. Il y a une poignée à style velcro. On est capable, même vous allez dans le bois, il y a toujours des branches. Vous mettez autour d'une branche pour décharger notre arbalète, notre arc, sans problème. C'est ce que j'allais dire. Si on n'est pas bon pour se faire un support, un rack, comme on dit, on mm-hmm. peut accrocher ça à une branche. Oui, sans problème. Pour bon. Que ça balance. Oui, que ça balance. Mm-hmm. Voilà, merci beaucoup pour ton truc, plaisir. Vincent. Là-dessus, nous autres, on s'en va à l'ours. On va aller rejoindre notre ami Vincent et oui. aussi Sébastien Breton. Vous allez assister à une chasse en parallèle. Alors, ouais. on y va. Bon, ben, j'arrive d'aller voir le site.
pas emporter la caméra parce qu'il mouille à pluie à Sio, là. Je vais filmer le moins possible à la pluie. Il a passé un ours. J'avais nourri pendant la chasse à la dinde le 3 mai. Il y en a passé un le 13 de mai. 13, 14. Il a passé aux semaines à peu près. Les ratons laveurs sont là-dedans, full pin. Là, la dernière fois qu'il a passé, le 13. On est le 16 aujourd'hui. Ça fait que ça fait 3 jours, mais il avait plus rien à manger. Là. Fait que je vais y en remettre. Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le 27 mai. Je suis venu voir mon spot à l'ours à Saint-Sylvestre ce matin. L'ours a commencé à venir. Il est venu le 23 mai la première fois, mais il n'a pas ouvert le baril. Il est venu hier, puis ce matin, il a ouvert le baril. Donc, je suis venu replacer tout ça, puis installer mon Tristan. On va se préparer pour la chasse, peut-être en fin de semaine. Fait que je m'en vais vous montrer ça. Donc, c'est ici que je vais appâter. On a mon baril ici. Dans le baril, j'ai mis des beignes. Ici, j'ai mon Kodak. On semble voir, là, il y a de l'air d'avoir une petite trail là, qui arrive par là, donc je croirais qu'il s'en vient par là. Là, il y a une distance de 20 mètres. Donc, j'ai mes deux Tristan. Il y en a un si j'emmène le caméraman. Moi, je vais aller remettre un peu de poisson. Puis on va laisser ça tranquille, puis on va revenir plus tard. Ça, c'est du chocolat. Mais du chocolat dans une chaudière bien figé. Il va en gratter un méchant coup pour tout manger ça. Il va en licher... En tout cas, j'espère en avoir pour au moins une semaine certain. On est le dimanche le 31 mai. Donc pour mon premier soir de chasse à l'ours. Il est venu à quelques reprises. Je le sais qu'il est venu cette nuit. Donc ce soir, on a un beau soir. Là, je vais aller tenter ma chance. Ce soir, je vais chasser à la carabine. Je suis seul. Je vais me filmer tout seul. Enfin, j'ai décidé de chasser à la carabine. Si ça ne marche pas ce soir, la prochaine fois, si je suis accompagné, bien, probablement que ça va être à l'arc. Pour ce soir, ça va être à la carabine. Fait que, je me prépare et on va aller s'asseoir. Ici, j'ai une piste d'ours. Un autre là. C'est pas un gros. Mais c'est pas grave. Sur cette terre-là, qu'est-ce qui est le fun? Là? Il y a de l'ours. Il y a du coyote. Il est 4h25, j'ai le doigt de chasse jusqu'à 9h10. J'espère que ça se passe avant ça parce que ça va être long un petit peu, mais c'est pas grave. Les oiseaux chantent, il pleut pas. Ma deuxième soirée commence. Hier, rien vu du tout. 4h30 de Tristan. Même pas un raton laveur. Mais je pense qu'ils ont manqué de bouffe. Mardi, quand je suis venu, il restait plus rien. On s'enligne pour un autre... Pff, 4 heures de Tristan. Fait que... Mon chum Sébastien... Il en a tué un par en Beauce. Il en venait un autre. Il a continué à nourrir. En espérant que. En tout cas, si je tue pas ici, si l'autre vient, je vais aller l'essayer aussi en Beauce. Sinon, peut-être que je vais revenir dans une semaine ici. On est le 30 de juin. C'est vraiment le dernier soir possible pour la chasse à l'ours. Mais là, j'ai 12 heures de route montée ici. Là. Et je vais faire la veillée. Là. Je vais être dompté. Là. La chasse, on apprend tout le temps. Là. Je viens encore d'apprendre.
pense que c'est le premier qui était venu, c'est pas le gros d'après moi. En tout cas, il me paraît pas. Il est pas gros, il paraît pas gros comme ses photos là. En tout cas, c'est un ours là. Ben non, mais j'étais parti, mais je l'ai entendu arrêter puis je l'ai entendu râler. Une belle petite femelle, là. C'est pas le gros qu'on cherche, qu'on attendait, mais c'est un ours. Certains de mon entourage disent que je suis fou de passer plus de 4 heures en haut d'un arbre d'un ours, mais peut-être que je suis fou de tout. Alors Vincent, c'est 1 à 0 pour Sébastien Breton. Oui, j'ai pas de trouble avec ça non plus. T'as pas l'orgueil de l'ours? Pas tout. D'autres années, c'est moi qui gagnais. Bon, OK. 1 ou 2 à 0. Quand même, un ours énorme. Mais, non, un bel ours. En Beauce, on n'a pas énormément d'ours. Quand on a un, ben, on... Moi, j'ai jamais choisi l'ours. J'ai jamais dit, je vais laisser passer un plus petit pour en avoir un plus gros. La chasse à l'ours, c'est pas comme un chevreuil. Ben beau avoir une tête d'ours ou un tapis d'ours, mais... Ouais, c'est ça. Les chevreuils et les cornes sont toutes différentes. Un ours ont toutes la tête pareille. Oui, c'est ça. Je n'ai jamais vraiment choisi les ours que j'ai récoltés. Rapidement, je pense que tu t'es déjà battu à main nue contre une peau d'ours. Contre une peau, mais pas contre un ours. Pas contre un ours. Vincent, juste rapidement, on peut manger ça, de l'ours. Oui. C'est connu. Oui. Mais il y a un petit quelque chose, une petite bébite à laquelle ouais, il faut faire attention. Il peut avoir un parasite qui se nomme la trichinose. Pour être sûr, il faut bien faire cuire la viande. C'est une viande qu'on ne peut pas manger saignante. C'est sûr qu'un ours qui a toujours été dans le bois, les chances qu'il y ait la trichinose sont vraiment minimes. C'est vraiment les ours qui vont se nourrir dans les dépotoirs qui risquent d'avoir ça. OK, parfait. Alors, bon, on le saura. Mm-hmm. Et un ours, bien, ça peut se cuisiner comme n'importe quelle viande. Oui, 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 c'est un problème. Steak, des bear burgers. Des bear burgers. Bon, ben voilà, c'est l'heure d'étrangler, nous oui, autres. Oui, oui, oui. On procède à nos meurtres de fusil. Oui. Alors, comment, quoi, étrangler? Oui, un étranglement, le nom qu'on entend le plus souvent, c'est un choke en anglais. Comme une auto, un choke. Oui. Un fusil type 12 ou calibre 20, c'est un tuyau qui est tout égal. Tout égal. La dernière portion du fusil, qui est un étranglement vissé, ça, il y en a différentes grosseurs pour différents types de chasse ou de tir qu'on veut faire. À base, les fusils arrivent avec l'étranglement modifié. C'est l'étranglement qu'on peut tout faire avec. On peut tirer de l'acier, on peut aller au pigeon d'argile, on peut tirer le terme anglais de la slug, de la chevrotine. Mais si on veut se spécialiser un peu, ça prend un étranglement du type de tir qu'on va faire. Style... Excuse-moi, ça se visse au bout du canon. Oui. Il y a toujours des filets au bout d'un canon? La plupart du temps, ça rentre complètement dans le fusil. Dans le fusil, souvent, on ne voit pas l'étranglement. Ça rentre à l'intérieur pour que la gerbe de plomb, en sortant, va soit ouvrir grande pour aller au pigeon d'argile ou à perdrix, ou ouvrir vraiment serré pour faire des tirs beaucoup plus longs, que notre gerbe de plomb se tienne plus longtemps, style aller à l'outarde, à l'oiseau migrateur, ou à la daigne. La daigne, ça prend vraiment un étranglement bien serré pour que notre gerbe de plomb se tienne le plus longtemps possible et avoir une plus grande force de frappe. Curiosité en passant, ici, ça bloque pas ça, la balle, parce qu'il doit y avoir quand même un petit écart, là. Oui, mais c'est bien fait. C'est vraiment lisse à l'intérieur. Sinon, s'il y aurait un petit écart, on briserait notre étranglement. Fait que le fusil est fait... C'est sûr que si on a un Remington, il faut mettre des étranglements de marque Remington. Si on a un Winchester, même chose. Si on y va avec des marques qui font juste des étranglements, style Pattern Master, eux autres n'en font pour Remington, n'en font pour Winchester, pour Beretta. Faut vraiment y aller avec le fusil qu'on a. La bonne marque. Alors, je t'écoute, je te laisse aller. OK. Aussi, l'autre chose qu'il faut vérifier,
lorsqu'on achète un étranglement, c'est si on veut faire du tir avec du plomb ou de l'acier. Parce qu'il y a des étranglements qui ne sont pas faits pour qu'on puisse tirer de l'acier. Pourquoi qu'on tirerait de l'acier? C'est pour la chasse à l'oiseau migrateur. Outarde, canard, oie blanche. Tout ce qui peut être sur l'eau, il faut tirer de l'acier pour ne pas contaminer. C'est pas du plomb, c'est de l'acier. Okay. Donc, dans ce temps-là, on y va avec un étranglement style un full, mais c'est toujours marqué en anglais steel or lead, acier ou plomb. Oui. Qu'est-ce qui est important si on veut vraiment faire des tests de patronage? Je vous donne un exemple. On va aller avec l'improve cylindre pour aller faire du tir au pigeon d'argile. Pour choisir le bon étranglement avec la bonne balle, qui est celui-là ici, ouais, par exemple? On va se placer peut-être à une distance qu'on tire nos pigeons d'argile habituellement, une vingtaine de mètres. On va tirer dans une cible comme ça, ou plus grande. On va tirer carrément dans le vide. Après, on va prendre notre pigeon d'argile, puis on va essayer de trouver une place dans toute la gerbe de plomb où est-ce qu'on aurait pu mettre notre pigeon sans qu'il se fasse casser. Si on est un étranglement, notre patronage est parfait, que notre pigeon serait fait casser partout, merveilleux, on a la bonne recette, étranglement versus balle. Mais si à plusieurs places, notre pigeon d'argile aurait passé, on va dire, passé sans se faire toucher, il faut trouver une autre recette de balle et d'étranglement par rapport à notre fusil. C'est beaucoup de patronage à faire pour la dinde aussi, parce qu'on n'a pas toujours la même longueur de canon. Moi, je tire avec un 24 pouces, quelqu'un d'autre va tirer avec un 28 pouces. Notre gerbe de plomb ne travaillera pas pareil. De la même façon. Puis le patronage, si je comprends bien, pour encore une fois prendre un terme français, ce qu'on appelle le pattern. Ouais. On a déjà entendu ça dans l'émission. Alors, c'est ça, là, c'est la, comme tu dis, c'est ça, le pattern, le format. Le format que les plombs vont prendre. C'est très important aussi pour ceux qui font de la chasse au dindon sauvage, parce qu'on vise la tête. Donc, un étranglement pour le dindon sauvage, c'est beaucoup plus serré. Moi, qu'est-ce que je fais? J'ai une cible avec une tête de dindon et je tire un coup, deux coups. Je me recule jusqu'à temps que j'aille plus sept plombs dans le cou et la tête de ma cible. Lorsque j'ai plus sept plombs, bon, je suis à, mettons, 45 mètres. Si je vois un dindon à 50 mètres, je ne tirerai pas. Parfait. Je vais t'interrompre là-dessus. Pas de problème. Mon bon ami Vincent, ce fut fort intéressant, encore une fois, à tous les points de vue dans toute l'émission. Merci. Alors, on remercie aussi Sébastien Breton, là, ton parallèle de chasse à l'ours. On a parlé d'étranglement, on a parlé aussi de ton petit... ma cible. Ta cible pour les flèches. Oui. Et voilà, c'est ce qui met un terme à cette émission à l'affût. Alors, soyez-y à une prochaine. Et n'oubliez pas de rester toujours, vous le savez maintenant, à l'affût. Présenté en collaboration avec ProNature. Articles de plein air, de chasse et de pêche. 1056 Boulevard Vachon Sud, Sainte-Marie. 418-386-5885. Passion Gourmande, située à Sainte-Marie, est un restaurant de fine cuisine sur réservation de 10 à 100 personnes. Repas du temps des sucres et aussi maintenant une école culinaire grand public.